I was born in Elbeuf. I grew up right there. It had been a beautiful hotel called the Grand Hotel. By the time I got there with my family, it was not grand anymore. It had no bathroom, no toilets. I moved to the United States, and it's then that I heard that there was a synagogue in that street. I had never known that. And it's only about 2 years ago that I read in a local newspaper that there had been a celebration and the doors of the synagogue had been open. I decided to come in September of 2011. I wanted to investigate for myself. And at that time I discovered that there were some yellow stars painted on the exterior wall of the synagogue. Vous souvenez-vous la première fois où vous les avez vues, ces étoiles? Je les ai vues quand, certainement peu de temps après qu'elles aient été peintes, en 42-43, par là. Qu'est-ce qu'on voit arriver dans la cour? Un jeune camarade avec l'étoile juive au revers de son veston. On se demande ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, on ne comprenait pas. Et on demande à Angèle Berquenet, notre professeur, qui nous explique ce que c'est que l'antisémitisme des nazis, sous l'aspect des juifs d'Elbeuf alsaciens. C'est que certains avaient changé de nom, comme Frankel, qui est devenu Franel, et puis des juifs qui sont devenus catholiques, comme Michel Zimmern. We moved from Elbeuf in 1940. We went to the south of France, because France was divided into two zones, one under the control of the German army, and one was a non-occupied country. I moved 6 or 7 times. I think 20 or 25 Jewish people from Elbeuf were sent to Auschwitz and other camps and didn't come back. Quand les Juifs sont venus après la guerre, ils se sont demandé s'il fallait effacer les étoiles et refaire à neuf la partie arrière extérieure de la synagogue donnant sur la rue. En effaçant les étoiles. Et alors finalement, il a été décidé qu'on referait la façade, qu'on referait à neuf la façade du côté de l'entrée, mais que du côté où il y avait les étoiles, on laisserait les choses en l'état avec un mur abîmé et des étoiles, parce que c'était un témoignage. Beaucoup de gens qui passent devant ce bâtiment qui ne savent pas ce qui s'est passé, qui peuvent voir effectivement des étoiles jaunes et qui ne savent pas pourquoi. C'est ça. Il m'en a parlé, monsieur Largesse, hier. Donc, ce lieu important pour la mémoire locale, ce lieu sur lequel l'antisémitisme a gravé ces étoiles jaunes, qui malgré tout sont notre héritage, notre patrimoine commun, et qui doit aussi, au travers des années, rappeler que l'antisémitisme, l'intolérance, le racisme sont condamnables et doivent être combattus. There is something very valuable in preserving historic buildings and using them as an opportunity not only to recall the past, but to relate some of these past events to the present day. Especially in the example of the fact that there are no Jews left in Elbeuf, and why, and what happened. And are those same threats of discrimination and exclusion relevant to today? And of course they are. Il est nécessaire de les préserver. Vous connaissez sans doute la lettre du pasteur allemand Buckner, je crois, ou non, qui dit « quand on a arrêté les communistes, j'ai dit « ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas communiste ». Quand on a arrêté les socialistes, j'ai dit « ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas socialiste ». Quand on a arrêté les juifs, j'ai dit « ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas juif ». Et aujourd'hui, on m'arrête, moi, et il n'y a plus personne pour me défendre.